Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Je fais une vidéo aujourd'hui de remerciement parce que c'est incroyable, j'ai reçu un colis. Oui, la taille. C'est un colis rempli de cadeaux rien que pour moi. C'est la hôte du Père Noël avant l'heure. Et je remercie avant tout Marie-Cat qui me l'a envoyé suite au partage que je fais régulièrement sur Equiliforce et qui a décidé de m'offrir du super matériel pour cuisiner. Alors, je vais vous mitonner du coup des recettes, vous allez voir, je l'espère, avec ce qu'il y a là-dedans. Je vous montre le contenu. Quand je l'ai ouvert, j'étais sidéré. Ah, il y a presque 7 kilos de matériel dans tout ça. Vraiment. Donc Marie-Cat, incroyable merci. Je suis très touché. Donc qu'est-ce que j'avais découvert? Eh bien, un plat. Un plat à moule à cake. Il y a un couteau de marque Sanelli. Ça vient d'Italie et ça a l'air super pour faire justement les différentes préparations. Il y a aussi un vaporisateur d'huile, je crois, si j'ai bien compris. Ouais, un pulvérisateur d'huile. Je n'en avais pas, ça tombe bien. Pour les enfants, il y a ce petit set de pâtisserie avec des mini moules, un petit rouleau qui est adorable. Également un poussoir, je ne sais pas comment ça s'appelle, un cercle. Donc j'en utilise pas habituellement, mais voilà, un cercle pour faire de belles présentations. Et puis ce n'est pas fini, une plaque de Madeleine. De marque Gobel, made in France. Parce que justement, je privilégie, moi, dès que je peux, les produits français d'origine européenne, enfin voilà, le plus possible. Et il y a également une plaque qui est très lourde, alors là, qui va me durer, je pense, des années et des années. Une plaque à pâtisser en tôle d'acier. Je la mets là. Et c'est pas fini, hein, c'est pas fini, vous voyez, c'est de la folie. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'euros de valeur dans ce colis, une crêpière et dessous il y a, pardon, il y a une crêpière et un plat à tarte, voilà, petit plat pour faire des pâtisseries qui me conviendra très bien en termes de taille d'ailleurs, pour faire encore des pâtisseries, des tartelettes, voilà, des petits moules en acier. Et puis, c'est toujours de la folie. On a un sachet de thé Noël en Bretagne, puisque c'est une amie d'origine bretonne, je la remercie beaucoup. En plus, ce qui est génial, je trouve, c'est qu'on se connaît à peine, juste quelques partages comme ça sur Facebook et YouTube. Et voilà, visiblement, ce que je fais, ça lui a vraiment plu. Et elle a voulu m'encourager. Encore des moules à tartelettes. Et puis, hop, une petite spatule, ça sera pour notamment la crêpière. Et j'accorde aussi de plus en plus d'importance au zéro déchet, donc ça tombe bien. Il y a des sacs comme ça pour mettre les légumes que j'achète en grande quantité à des producteurs le plus souvent locaux. Donc un certain nombre de sacs. Et ceux-là que je connaissais, j'en ai quelques-uns, mais ça m'incite vraiment à pratiquer le zéro déchet. Et je suis heureux de publier cette vidéo au moment du Black Friday parce que nous avons le choix. Nous avons le choix de privilégier des produits d'origine locale française, certes, beaucoup plus cher peut-être que ceux qu'on trouve fabriqués en Asie, mais qui vont durer certainement très longtemps et qui en plus alimentent une autre économie que celle voilà, d'Amazon et des grands groupes comme celui-ci qui vont gagner environ 2 milliards sur une journée, rien qu'avec le Black Friday. Je remercie Marie-Cat. J'en profite pour vous remercier. Vous êtes plus de 850 à l'heure où je tourne cette vidéo. Avoir cliqué sur le bouton abonner, c'est gratuit. Moi, je fais mes vidéos gratuitement. C'est à but non lucratif. À l'heure où je parle, vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de partager des recettes, des astuces pour moins consommer, pour mieux être heureux aussi.
dans son assiette, dans la nature. Et donc, merci encore pour cet énorme cadeau. Je n'en reviens pas, toujours pas. Vraiment, je suis choqué, mais très positivement. Et ça me donne l'envie encore plus d'être généreux, de donner un maximum de contenu et d'idées pour vivre naturellement plus heureux et porter Equiliforce à un autre niveau encore. Donc merci Marie-Cat et merci à vous, chers abonnés, chers spectateurs de la chaîne. Et c'est pas fini en plus, j'ai oublié. Les bons petits légumes, c'est un fascicule sur les différents légumes et leurs techniques de préparation. Et un bouquin du même auteur que le fascicule, c'est Hubert Jouan, que je ne connaissais pas, J-O-U-A-N, vous pouvez aller voir sur internet. Et je pense que vous trouverez les références du coup des produits qui sont ici, sur sa boutique. Et ce qui tombe très bien, c'est que ces recettes, elles collent à l'esprit Equiliforce. Plus de protéines végétales, on fait attention à sa santé, à moindre coût, avec des recettes très simples, souvent sans gluten, et qui font attention à l'empreinte écologique. Donc moi, ce que j'adore, c'est quand il y a comme ça des rencontres qui se font au-delà de l'écran. Virtuellement, c'est parfait. Voilà, je suis gâté, je suis heureux, et je vais vraiment essayer d'être à la hauteur de toute cette gentillesse et de cette reconnaissance que je ressens en recevant un cadeau pareil. Allez, cette fois-ci, à bientôt.